Vous avez sans doute remarqué que les prix de l'énergie sont très élevés actuellement. Surtout celui du gaz. Pour quelle raison ? À cause de la crise du corona, de nombreuses industries dans le monde ont dû fermer et la demande de gaz a diminué. Au moment de la reprise économique, à l'automne et en hiver 2020, la demande de gaz a de nouveau augmenté. Le printemps très froid de 2021 a fait baisser les stocks de gaz et a encore augmenté son prix. Plusieurs centrales au charbon et centrales nucléaires ont été fermées à ce moment aussi. En raison de la demande croissante et des tensions par rapport aux approvisionnements en provenance de la Russie, les prix continuent d'augmenter. La situation actuelle en Ukraine renforce cette inflation. Tout cela se traduit par des prix élevés et très fluctuants pour le gaz et l'électricité. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Très honnêtement, nous ne le savons pas. Ce que nous savons en revanche, c'est que nous ne vous laisserons pas tomber. Eneco est une entreprise solide. Nous suivons de très près le marché. En tant que client, vous pouvez compter sur nous pour continuer à vous fournir de l'énergie. Que pouvez-vous faire vous-même pour réduire votre facture d'énergie? Allez sur eneco.be/astuces pour des conseils malins.